Yo, 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 je suis très content, très heureux de vous retrouver encore, hein. Voilà, actualité oblige, je suis là aujourd'hui. Cette fois-ci, vous avez compris la configuration, il s'agit bel et bien d'une vidéo réaction. Donc, ce week-end, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de sorties, hein. Voilà. Voilà. Et donc, grosse sortie qu'on va analyser, qu'on va décrypter, qu'on va voir aujourd'hui, il s'agit bel et bien de Edem Drake qui a fait sortir son feat avec Barabas, tout fan, hein, tout fan. Moi, pour moi, avant de rentrer au fait dans la réaction, je pense que cette année, au fait, les tout fans sont vraiment, vraiment en train de donner de la force au game togolais. Ils sont en train de donner de la force à beaucoup d'artistes. Il y a Ethan qui a vu la collaboration déjà du duo sur son dernier projet à Kana. Il y a pas mal de gens aussi que Mastadias aussi a boosté. Mastadias, il a participé à beaucoup de projets, mais c'est la première fois au fait qu'on voit Barabas en solo sur le projet d'un autre artiste. Donc ça dénote quand même que les tout fans sont en train quand même de donner quand même de la force au talent sont en train de pousser beaucoup 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 d'artistes quand même au Togo. Je pense que ça sera l'année pour des collaborations vraiment nationales pour les tout fans. Donc trêve de bavardage, hein, on va analyser Edem Drake, le titre c'est Nubu, hein, le titre de son projet c'est Nubu, allez streamer fort. Je sais pas ce qu'il dit, hein, expliquez-moi en commentaire. Voilà, j'aime bien le début. Ah. Edem Drake, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle. Vocalement, il a toujours été fidèle à lui-même. Il a toujours été très, 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 très bon vocalement. Gros, 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 gros talent. Ah, on a le titre Noubou. Wow. Ah, ne me cherchez plus là où j'étais avant, Manila Don. Je suis passé devant. La donne a changé, je suis passé devant. Voilà. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. J'aime cette intro, j'aime ce début, j'aime la manière dont il attaque. Ah. À mes VV, à mes Ouga. Didi P, je pense que il fait un clin d'œil à ses différents titres. Hein. Je connais à mes VV, je connais à mes Ouga. À mes Ouga que je connais de A à Z, que je kiffe de ouf. À mes VV aussi, c'est un gros, 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 gros hit hein, qui atteint le million de vues quand même. Hein. Respect, respect quand même à Edem Drake qui fait du très beau, qui a toujours fait du très, 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 très beau boulot. Et moi, Didi, vois, Dakemilado, le chemin est long, mais on va y arriver hein, pour ceux qui comprennent pas EV, c'est ce qu'il dit. Mais attention, bah attention, les Glomilo. Abonnez-vous. Attention, bah attention, les Glomilo. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, hein. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'était qu'à Cuesta, shout-out à lui. Hein. On se rappelle de Téré Téré de Toufan, un hein. Petit clin d'œil au Toufan. Téré Téré Téré, l'un des gros 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 hits du duo Toufan. Et voilà, je pense que l'inspiration est venue de là. Il est un peu allé chercher du côté de Téré, elle l'a mis à sa propre sauce. C'est bien, c'est bien. Hein? Au school on a appris quoi? Le montant son. Le montant son. Ah, embarrassant. Oula! C'est chaud, Barabas. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, j'aime bien la partie de Barabas.
Hasta la vista. 228, on est calé. 228, tous ceux qui sont du 228, je veux voir les flammes, je veux voir les drapeaux en bas des commentaires. Hasta la vista. Draqué. Draqué, c'est le fuego, c'est le feu. On lâche rien, les gars, on lâche rien, les gars. Les flammes en commentaire. J'aime bien le refrain. Je comprends pas trop ce qu'il dit. J'ai pas encore maîtrisé à donf le refrain, mais c'est ouf. Midjaoui, tu vois la partie du refrain là, ça rentre dans la tête. Midjaoui, tereré. Mais ils sont très stylés dans le clip, hein. Le clip il est propre, hein. Le clip il est propre, il est propre en 4K et tout, bien propre, bien réalisé. Hein. Faut le rappeler, c'est un projet 100% togolais. Les réalisateurs, ceux qui ont travaillé derrière, tous des Togolais. C'est un très 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 beau projet en fait, un très très beau projet, 100%. 100% made in Togo. Fuego! Lancez-moi les feux en commentaire. D'une autre mère, Aouko Studio, Steven Aouko qui est sur beaucoup de projets, hein. Il fait du très 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 bon taf. Avis sur le projet, c'est le tout premier projet de Dem Drakei pour cette année 2022. Gros 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 succès pour moi. C'est un real hit. C'est really dope. Et vraiment, vraiment, merci beaucoup à Barabbas aussi, hein, qui a accepté de collaborer vraiment avec lui. C'est la force de Barabbas, la force des tout fans derrière pour ce son impeccable, au fait, pour moi. Edem Drake, il a fait du Edem Drake, il a encore fait du sale. Barabbas, comme d'habitude, il te sort un de ses flows en termes de rap. Oh. Là, respect, respect, respect à Barabbas aussi, qui a donné de la force et qui s'est donné aussi à fond sur ce projet. Hein. Voilà, et voilà, shout out à tout le monde. Voilà. C'était un très, 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 très beau boulot. Moi, je donne un 10 sur 10, hein, pour un travail 100% togolais, et un travail de cette qualité, de cette envergure. C'est à féliciter, bravo. J'applaudis. Applaudissez en commentaire. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Hein. Voilà, réaction sur le tout dernier projet d'Edem Drake. Nubu, allez streamer fort, fort. Je vous mets le lien en barre de description. Allez regarder fort, 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 fort. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur la chaîne. D'ici là, je vous retrouve à la prochaine. Cheers!